a pour but d'aider des personnes à devenir moins susceptibles et plus distantes des gens et des problématiques. Prenez une grande inspiration et pendant quelques instants, simplement fermez vos yeux. Vous allez imaginer que vous allez vous élever, vous éveiller. Je vais compter de 1 jusqu'à 10 et à 10, c'est comme si vous commenciez à être de plus en plus capable de percevoir, observer, voir les choses avec de la distance. Comme si vous étiez en train de prendre conscience que vous êtes apte, n'importe où et n'importe quand, qu'importe ce qui vous est dit ou ce qui se passe, à prendre un pas de recul. Alors simplement, imaginez. Et faites comme si vous étiez en train de vous élever, comme si vous étiez déjà en train de vous distancier de votre esprit, de votre corps, de ma voix. 1, 2, 3. Et entre chaque chiffre, simplement, imaginez que vous êtes de plus en plus haut, ou en tout cas, de plus en plus à distance. 4, 5. À 10, vous serez dans une zone, un espace, un lieu, qui va vous permettre de mettre comme un filtre par rapport aux différentes choses qui peuvent être entendues ou perçues comme parfois stressantes, oppressantes, agressives, qui peut en tout cas vous blesser ou vous toucher. 6, 7. Respirez profondément et simplement imaginez cette zone, cet espace. 9, 10. Maintenant, pensez. Pensez que vous avez en vous cette aptitude et cette capacité à prendre de la distance. Cette capacité à prendre un pas de recul. Imaginez simplement qu'avec ce que je suis en train de vous dire, vous êtes déjà en train de prendre un pas de recul. Comme si vous aviez la capacité psychique, émotionnelle et physique de considérer les choses autrement. Respirez profondément et connectez-vous à un moment où, justement, vous avez senti toute votre susceptibilité remonter à la surface. Et, naturellement, imaginez cette scène. Imaginez que cette scène, qui est proche de vous, commence petit à petit à s'éloigner. Ou, plus encore, vous êtes en train de vous éloigner, de prendre une distance. Et même si, parfois, elle ne pourra pas se faire de façon physique, vous allez juste et simplement vous permettre de le faire dans votre tête, dans vos émotions. Comme si, en respirant profondément, vous vous offriez la possibilité de reculer d'un pas, de prendre les choses de façon plus distanciée, de mettre un filtre, un bouclier, une protection entre vous, ces mots, ces sons, ces regards, ces actions envers vous. Alors, respirez et donnez-vous cette idée-là. Petit à petit, je me permets de prendre de plus en plus de distance vis-à-vis de ce qui peut me toucher ou me blesser. Je me permet de construire quotidiennement un espace où, quoi qu'il est dit et quoi qu'il est fait, je me sente libre d'être apaisé, de ne pas prendre les choses pleinement. Imaginez simplement le nombre de fois où vous avez pu vivre un moment de stress, d'anxiété, d'énervement ou de colère, là où votre susceptibilité était peut-être au paroxysme. Et imaginez simplement si, à partir de maintenant, vous êtes capable de diviser par deux cette sensation, voire même de doubler encore cet espace entre vous et cette sensation, ces mots, ces perceptions. Vous pouvez imaginer que vous êtes en train de mettre en place un programme, une façon de fonctionner, spontanée, naturelle, qui simplement modifie l'information pour que vous puissiez la rendre acceptable. Juste acceptable. Une distance acceptable. Vous savez, comme
quand vous décidez de prendre un pas de recul et naturellement et facilement vous offrir la possibilité d'être bien, juste de prendre un temps. Et que c'est comme si ces mots et ces gestes avaient un temps de retard, comme si l'impact de ces derniers était déjà à côté, comme si vous aviez pu, simplement par ce nouveau programme, vous offrir la possibilité de voir venir et de reculer, d'éviter, d'esquiver. Simplement en diminuant cet impact, c'est comme si vous étiez vous en train de vous rendre compte qu'il vous affecte moins. Vous pouvez un peu imaginer cela comme en boxe. Comme si un coup vous parvenait et que, avec une esquive de votre corps, un recul arrière et un petit mouvement de votre main, simplement, le coup n'a plus l'impact. Il y a simplement un léger toucher. Et vous êtes complètement capable d'arriver à cette distance, on pourrait même dire à cette esquive. Vous programmez petit à petit cette esquive à l'intérieur de vous. Je suis apte à n'importe quel moment, sur n'importe quelle situation, à ne pas prendre la mouche. Je suis apte à simplement esquiver. Je suis apte à prendre cette juste distance et à continuellement tenir à distance ces mots, ces regards et ces gestes qui pouvaient jusqu'à aujourd'hui, et seulement jusqu'à aujourd'hui, m'affecter. Vous vous libérez de plus en plus. Donnez-vous cette possibilité maintenant. Vous êtes en train d'apprendre, de comprendre, de développer et de vivre pleinement cette nouvelle capacité qui est en train de se mettre en place. Je suis de plus en plus apaisé, je sais esquiver. Je prends de plus en plus mon pas de recul. C'est comme si vous étiez à une distance juste de ce qui va être dit. Imaginez juste que les impacts des mots, des regards, des réflexions ne peuvent plus vous toucher, comme si vous étiez un escrimeur qui, simplement, du bout de son épée, garde toujours la bonne distance. Comme si vous étiez dès à présent apte à ne plus être touché. Respirez profondément. Je suis de plus en plus apte à esquiver. Je suis de plus en plus apte à esquiver. Et je mets en place dès à présent ces esquives physiques, psychiques, émotionnelles. Je m'ouvre la possibilité de ne plus prendre en plein fouet toutes ces émotions justes. Je respire profondément et je fais un pas de recul dans ma tête, dans mes sensations, dans mes perceptions. Je deviens un expert de l'esquive. Je prends plaisir. Je prends plaisir à me rendre compte qu'à partir de maintenant, je suis de moins en moins susceptible, comme si cette idée était en train, comme tout à l'heure, de s'éloigner de plus en plus. Respirez profondément et maintenant vous savez que juste avec cette petite respiration, vous pouvez dès à présent esquiver, mettre à distance, reculer et ne plus jamais prendre en plein fouet toutes ces émotions, sensations, perceptions, tous ces mots, ces regards, ces situations, devenant petit à petit de plus en plus apaisé, de plus en plus apte à esquiver et sachant complètement comment gérer avec le juste filtre, le bon regard, la bonne distance et émotionnellement, votre corps, votre esprit s'apaise, qu'importe la situation. Dans quelques instants, nous allons revenir dans l'ici et maintenant. Je vais compter de 1 à 5. Et à 5, vous ouvrirez vos yeux plein de force, d'énergie et surtout avec cette sensation d'être capable de prendre de la distance et d'esquiver, d'être toujours au bon endroit pour éviter tout impact physique, psychique ou émotionnel. 1, 2, 3.
Vous respirez profondément. 4, vous vous étirez. 5, les yeux ouverts, ici et maintenant.